Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se fait pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo, donc je suis super contente de la faire car c'est pour un concours FIMO en partenariat avec Lara LPS et Marine Fentin. Voilà, donc voilà. Donc je remercie encore d'avoir fait ce concours avec moi tout simplement. Et donc voilà, donc on va tout de suite passer aux conditions, on va perdre de temps. Donc alors déjà il faut être abonné à nos chaînes, donc je mettrai les liens en barre d'infos, voilà tout ça. Il faut avoir l'accord parental ou être majeur. Il faut habiter en France métropolitaine, donc je suis vraiment désolée pour les autres. Votre vidéo ne doit pas durer par exemple plus de 7 minutes. Ça c'est facultatif, mais aimer la vidéo ça fait toujours plaisir. Il faut mettre deux commentaires, un je participe et j'ai respecté toutes les conditions, et un autre commentaire, ma vidéo est postée, donc je vérifierai toutes les conditions, et si vous n'avez pas tout respecté, vous serez disqualifié, pardon. Ensuite vous me direz dans votre vidéo ou en commentaire si vous êtes débutante ou confirmée. Pour celles qui n'ont pas YouTube, je mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Vous pourrez m'envoyer la vidéo. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, les thèmes. Donc c'est un thème libre, hein, de 1 à 10 créa au choix. Enfin, c'est d'une à 10 créa, quoi. C'est libre. Donc, normalement, je vais créer une playlist. Je mettrai toutes vos vidéos voilà dedans, mais c'est pas sûr, mais normalement voilà, je crois que tout dit. Et puis après vous aurez un petit cadeau, hein. Donc il y a de l'eau, j'ai pas dit, mais il y a de l'eau et les lots sortent de nos poches, donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite, donc pour la deuxième gagnante, donc tout sera dans ce sachet, donc, voilà, tout sera dans ce sachet. Donc on va commencer par les lots de Clara LPS. Donc déjà il y a un bâton, la moitié d'un pic à brochette, donc il est déjà mis dans un sachet, parce qu'il ne rentre pas dans celui-là en fait, et j'ai mis du masking tape, voilà. Ensuite, il y a 4 clous à œil. Quatre pitons. Une breloque petite fille. Un anneau de 8 mm, il me semble. Un grand bâton d'esquimau. Qui est un peu rouge, mais tant pis. Un ruban noir. Un morceau blanc, une plaque de texture pour les gaufres transparentes, du faux sucre orange, de la gouache rouge, bien rempli, hein. Des tranches de canne pomme, donc environ une dizaine, et du faux sucre chocolat. Donc il y en a pas mal, hein, quand même. Donc, quand il est plat, le sachet est plein. Voilà. Donc, désolé pour le bruit. Donc voilà pour les lots de Clara LPS. Donc pour la deuxième gagnante. On va tout de suite passer au lot de Marine Fentin. Donc déjà, la deuxième gagnante aura un lot de phrases. Donc il y a des cœurs, des fleurs, des petits carrés là. Donc pour mettre dans la découverte, ça peut être bien, enfin ça peut faire une idée. Ensuite, il y a des craies. Enfin, des craies. Ouais, des craies. Donc, une orange, une verte et une bleue. Voilà. Il y a un bouchon de compote pour qu'on peut mouler pour faire une base de cupcake. Il y a trois cailloux colorés pour mettre dans la découverte, par exemple. Trois bâtonnets comme ça. Donc il n'y a pas de trou par contre. On peut faire des sucettes avec.
Ensuite, il y a un support de bague réglable comme ceci. Il y a deux nœuds noirs. Donc, désolée, ça bouge un peu. Je fais de... Donc, deux nœuds noirs, deux nœuds. Blanc, deux nœuds gris, une breloque cuillère, deux pitons, un morceau de canne fraise, un morceau de canne pomme, un morceau de canne orange pelée et un morceau de canne banane. Il y a 5 cure-dents, du faux sucre, donc rose, vert et violet. Voilà. Donc voilà pour les lots de Marine Fun Time pour la deuxième gagnante. On va tout de suite passer à mes lots et je vais me dépêcher. Donc, dans ce sachet, il y a 2 papiers de Kinder Chocobon. La moitié d'un mini carambar à la pêche, un carambar caramel et un... On va pas le voir, attendez. Non, c'est ce truc. Ah oui, il y en a un coca qui est ici. Donc c'est un mini carambar. Donc je suis vraiment désolée, mais voilà. Ensuite, il y a des rubans. Donc il y a du blanc à pois rouge, du vert, du marron, du rouge, du fuchsia, du noir, du blanc nacré, du jaune, du rose. Enfin, il y a du ruban. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas vous faire le détail, mais sinon, ça va durer vraiment trop, trop longtemps. Ensuite, il y a des microbilles. Voilà. Ensuite, il y a un mix de perles dans les tons violets avec des fils de nylon, du coulis bleu pailleté. Ensuite, là-dedans, il y a donc un cabochon en pâte burk fleur, des agrafes, enfin des trombones, du fil élastique noir, un cabochon mini bag de cupcake et deux bâtonnets comme ça. Pour les pommes d'amour ou les barbes à papa. Et pour terminer, il y a un lot d'après. Donc il y a des breloques, donc des gros lots, un objet fait moi, une griffe, un strap, une bague, un support de bague. Donc il y a une breloque just for you. Il y a 5 paires de baudrailles américaines, une breloque cœur comme ceci. Une paire de puces, mais pas des puces à plateau, enfin, comment dire. Des anneaux, donc il y en a pas mal, des anneaux. Voilà. J'essaie de vous montrer les puces, vite fait. Ah oui, il y a une bélière aussi. Bah, attendez, je sais pas si... Là... En fait, ça c'est bombé. Ça fait une boule et en dessous il y a un petit anneau où en fait ça fait des baudrailles pendantes. Donc je suis vraiment désolée. Donc voilà. Donc voilà pour les lots de la deuxième. On va tout de suite passer au lot de la première. Donc avec les lots de Clara LS. Donc déjà un bâton d'Eskimo. Donc plus petit que la deuxième. L'autre moitié du pique-à-brochette. Des sequins, donc il y a des volants de neige, des flocons, des Pères Noël. Ensuite, il y a dans ce sachet une craie jaune, une pastille de peinture bleue et une pastille et un morceau de pastille de peinture rouge. Ensuite, ici, on a du ruban rose assez fluo, un grelot violet, du fil élastique argenté. Une breloque petite fille et une breloque nœud, un anneau de 8 mm, il me semble, 4 pitons, 3, donc 2 petits clous à œil et un grand, non,
Je sais pas si c'est... Si, ouais, deux petits et un grand. Et une paire de puces, donc cette fois-ci à plateau. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on y voit un peu là. Voilà. Donc il y a 4 pitons, je sais pas si je l'ai dit. Il y a aussi... donc du faux sucre marron, pardon. J'ai un petit bug là. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc voilà pour les lots de la première Clara LPS. Donc ensuite pour donc, les lots de Marine Quentin 2, on a toujours un mix de strass. On a 4 cailloux bleus comme ceci. 2 nœuds blancs. 2 nœuds noirs. 3 nœuds pardon, marron. Un morceau de canne kiwi. Un morceau de canne pamplemousse. Un petit morceau de canne cerise. Et un morceau de canne carambole. Ensuite, on a des strass. Enfin, des autocollants étoiles. Comme ceci. Des craies, donc jaune, violet et blanc. Du faux sucre orange. Du faux sucre bleu. 5 cure-dents. 2 petits bâtons comme ça. Et je crois que c'est tout. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça va être ça. Donc voilà. Ensuite, on va tout de suite passer à mes lots. Donc, il y a pareil des rubans, sauf qu'il y en a quelques-uns en plus. Donc, il y a du vert pastel comme ça. On a du comme ceci là. Et voilà, après, peut-être qu'il y a des plus grosses quantités. Enfin, voilà, il y en a plus quoi. Ensuite, on a un cabochon bouteille, un peu de beurre, un cabochon mini base de cupcake, 3 bâtonnets comme ceci. Un sachet de perles vanille, donc bien bombé. Des perles nacrées blanches, qui sont petites. Plein de perles. Donc voilà, et des perles nacrées de rocaille, un peu de tout. Un moule, donc fleurs et papillons. C'est 2 moules, on va dire. Là, on a... du coulis bleu pailleté, donc il y en a plus que pour la deuxième. Des microbines, pareil, il y en a plus que pour la deuxième. Hein. Ensuite, des papiers de bonbons. Donc, il y a 2 chocobons, la moitié d'un framboise, un carambar au coca, enfin voilà, des papiers de carambar. Et pour terminer, c'est donc ce lot d'après. Donc il y a des trombones, 6 grelots en tout, un nœud fait par moi, une breloque cuillère, une breloque couteau et une breloque fourchette. Il y a aussi une breloque comme ceci en acrylique 7, une breloque cœur comme ça. On a un montre de cœur, je ne sais pas si vous le voyez ici. On a 10 paires de boudrées américaines, un support de bague, 2 straps noirs, une paire de puces bizarres, là comme je disais, 2 bélières, enfin, des anneaux, plus que pour la deuxième, enfin plein d'après, 2 griffes, voilà. Donc voilà pour ce concours. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez nombreux à participer. Bisous.